de servir de babysitter à une scientifique? Il obéit aux ordres. On a besoin d'elle pour localiser la source de leur défense. Ouais. Ouais, ça me dit rien, tout ça, moi. Surveille ce merdier, c'est tout. Elle fait juste son boulot. Allez, faut qu'on bouge. Nos renseignements indiquent qu'on accède au village par un tunnel. On bouge! Vous les avez vus, ces saloperies? Des putains de bestioles, Elgaz. Ah, quelle saleté! J'ai vu, ouais. Cette faune est faite à leur image. Malgré tout, ces bestioles font partie intégrante d'un ordre naturel implacable. Ils sont pas là pour rien. Ouais, c'est ça. On s'en fout. À mon avis, ils ont déserté il y a bien longtemps. C'est ce qu'on pensait, jusqu'au dernier scan aérien effectué. Selon mes dernières données, leur artillerie lourde utilise un minerai appelé pétrusite. C'est un minerai des plus instables, mais qui est d'un bleu brillant. Ils ne pourront pas cacher leurs exactions bien longtemps. Une fois recyclés, ils s'en servent à des fins militaires. Tu verras, tu rigoleras moins une fois devant. On verra bien. Cette planète était remarquable. Elle alimentait la moitié de l'univers, jusqu'à ce que Vissari la transforme en machine de guerre. Foutons un coup de pied dans la fourmilière! On n'aurait pas pu se poser dans le village! Nous avons envoyé une patrouille pour établir les liaisons et faire un citrep. On les a perdus ici. On dirait que l'équipe de reconnaissance a ouvert des canaux de communication. Bizarre, ils ont tout annulé au milieu du cycle d'allumage. Restez là, voyez ce que vous pouvez faire. Garza et Natko vous aideront. Sev et moi, on va essayer de savoir ce qui se passe là-bas. On retourne à l'école, là, ou quoi? Foncez vers l'ascenseur. Alpha, répondez! C'est bon, patron? Non, des cartouches, du sang, des traces de lutte au sol. Putain. Ouais. L'antenne doit se trouver par là. Putain, la porte est verrouillée à double tour. Ça mène à une alimentation. Mais on peut pas l'ouvrir, ça doit être commandé à distance. Viens, Seb, suivons ces câbles. Sergent Velasquez, ce terminal de sécurité signale que le chemin vers l'antenne est fermé. Et je ne comprends pas comment l'activer. On doit pouvoir l'ouvrir d'un autre endroit. Ok, bien reçu. On va chercher ça. Je suis ces câbles. Restons groupés. Allez, Seb, on se ressaisit. Ils sont peut-être encore en vie. On ne peut pas les laisser à cause de ces X. Continuons à chercher ces Marines. Seb a trouvé quelque chose. On fait le point. Il y a du sang par terre.
On dirait que les Helghasts ont traîné un truc par là. Prêt ? Couvrez-moi ! Evelyne, on a trouvé l'équipe de recours. Ils sont morts. Massacrés. Leur commandant n'est pas là. Ces bâtards doivent le retenir quelque part. On continue les recherches. Ok, je... Entendu. Faut trouver un moyen d'ouvrir cette entrée. Rien pour eux, à part les venger. En position ! Merde !
Evelyn, on a trouvé des trucs suspects. C'est du pétrusite. Attention, c'est volatile. Ah, vraiment? La fumée des blindés anéantis de l'ISA. La fumée des marines de l'ISA. Ça donne quoi? On est à l'antenne. C'est presque bon. Dans longtemps? Ça commence à chauffer ici. Dès que c'est fini, on s'occupe d'eux. Le mécanisme a l'air foutu. Faut l'activer, allez! Essaie donc de découper leur système de contrôle. Je te couvre. Thank you.
passé à la suite. On peut maintenant communiquer avec le nouveau soleil. On vient vous retrouver. Bizarre. Je détecte des signatures thermiques anormales droit devant. Rico, nous sommes attaqués. Ils nous ont coincés. Je pense pas que Natko et Garza vont tenir très longtemps. On a besoin d'aide. Reçu, on arrive. Allez, Sef, on décolle. Ah ça. Flinguez-moi tout ce qui bouge. Allez. C'est mieux que ça, Sef. Vous arrêtez de tirer. Je balance une grenade.
Je vais te péter la gueule. J'ai eu cet enfoiré. Merde. Il se barre. Regarde, il y a un autre train qui va partir là-bas. Make a sacrifice!